Hey, Arnaud. Arnaud. Que diable s'est-il passé sur la place de la Révolution aujourd'hui ? Germain était là. Je connais désormais ses projets. Vous devez... Nous t'avions dit de rester à l'écart de cette enquête. Je sais, mais écoutez... Je sais, mais écoutez ? Est-ce là l'estime que tu témoignes à la confrérie ? Ton attitude ne me surprend pas. J'avais dit à Mirabeau que seule la vengeance comptait à tes yeux. C'est pour ça que j'ai rejoint la confrérie. Oui. Non parce que tu partageais nos idéaux ou par sens du devoir, pour te venger. Pour trouver la rédemption. Ne joue pas sur les mots. Tu n'as cessé de désobéir aux ordres du Conseil. Tu as traqué des cibles sans sa permission et foulé aux pieds le credo à chacun de tes pas. Maître Trenet. À la lumière de ces actes, je n'ai d'autre choix que de demander un vote d'expulsion. Maître Bélier. J'approuve. Qu'est-ce que... Maître Kemar. J'approuve. Arnaud Dorian, tu n'es plus des nôtres. Ton rang et ton titre te sont retirés et tu es désormais à jamais exclu de la confrérie de Paris. Vous êtes devenu fou. Écoutez-moi, je sais ce que prépare Germain. Je peux l'en empêcher. La décision de ce conseil est sans appel. Tu peux partir maintenant. Non. Non. Oh, où est-elle ? Brasserie Garceau. Mais quand ? Hier soir ? Fiche le camp d'ici. Mais... Dehors ! Tu as causé assez d'ennuis pour ce soir. Très bien. Alors dans ce cas, j'irai trouver du vin ailleurs.
Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Diable, ils ont l'air de s'agiter. Il y a quelqu'un? Dommage qu'on ait aboli. Juste pour moi. C'était la nuit dernière. Je l'ai peut-être laissé là-bas. On dirait que des gens se sont battus. Oh, Seigneur, non, pas toi. Tu n'as pas causé assez de dégâts hier soir. Non, c'est juste que
La montre de mon père, vous ne l'auriez pas vue? Non, je n'ai rien vu. Si tu allais demander à l'un des quatre gars avec qui tu t'es battu. Idiot. Fais attention! À ta place, je ferais pas ça, mon gars. La ferme, le vieux. Toi. Oh. Dis-moi où est ton chef. Oh, diable. Revenez ici. Où est-il? Au palais! Ils sont au palais! Merci. Quel putain! Thank you.
Même les pots de chambre sont en or. On dirait que tu as une mauvaise influence. C'est toi qui les tiens sur nous. Bon, une chose de... Termine de conservateur! Je vais t'arracher le royaume! Ne puis-je pas venir avec vous, père ? Courage, mon garçon. Tu vas m'attendre ici. Et je reviendrai quand cette aiguille sera en haut. Et Arnaud ? Oui, père. Traître ! Oh !
mourir. Mon Dieu, tu veux quoi, toi? Ma montre. Ça va pas recommencer. Prends-la moi. Je l'ai pas, ta satanée montre. Menteur. Va-t'en, gamin. Arnaud. Tu es dans un sale état. Et toi, tu es venu me demander quelque chose. Comment tu peux dire ça après avoir disparu de cette façon? Tu m'as bien fait comprendre que tu n'avais plus besoin de mes services. Non, je t'interdis de me parler comme ça. Que veux-tu que je te dise, Élise? Pardonne-moi de ne pas t'avoir laissé mourir? Désolé de tenir davantage à toi qu'à la mort de Germain? Je croyais qu'on désirait la même chose. Ce que je désirais, c'était toi. Je n'oublierai jamais que c'est ma négligence qui a causé la mort de ton père. Tout ce que j'ai fait depuis, c'était pour réparer cette erreur et éviter qu'elle se reproduise. Tu n'es sûrement pas venu ici sans raison. Alors que veux-tu? Paris est en train de se déchirer. Germain a conduit la révolution dans les abîmes de la décadence. Les guillotines opèrent quasiment jour et nuit. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? L'homme que j'aime n'aurait jamais posé cette question. Tu vaux mieux que ça.
Je rentre à Paris. Tu viens avec moi ? Je dois d'abord régler une dernière chose. Très bien. Je vais nous trouver un moyen de transport. Fais attention à toi. Ne te fais pas prendre. Regarde dans quel pétrin tu nous as mis. Silence là-dedans! Voici donc ce qu'est devenue la France. Des parasites qui saignent la révolution à blanc! Je viens aider. La porte ?
Regardez-le faire. Halt ! Je viens de parler, citoyen. Regardez-le courir. C'est lâche. Oh non. Aujourd'hui, laissez-moi partir. Personne ne m'échappe. Il n'a plus que quelques secondes à vivre. Ou tu finiras le nez par terre. Bah, tu fais quoi? C'est ce qu'on appelle sauver quelqu'un. Pourquoi? Parce que le simple fait d'être une montagne de muscles sans avenir et sans cervelle ne me semble pas être un crime passible de la peine de mort. Hein? Écoute, reste en arrière et laisse-moi passer le premier. Suivant! En route! T'es pas déjà vu, toi? J'en doute. Arrière, je sais. Et l'ivrogne du coin. Attachez-le. Oh. Seigneur, le pire, c'est... Attachez-le. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Misère.
entier. Mais pourquoi? Parce que, monsieur Latouche, votre dernier compte-rendu contenait de nombreuses bévues. Monsieur, j'ai vérifié par 3 fois ces sommes. Il ne s'agit pas d'une erreur. 10 000 livres se sont évanouies du trésor de Sa Majesté. Je regrette, Latouche. Adieu. Monsieur Latouche, on raconte que vous étiez percepteur. Oui, monsieur. Bien. J'aurais grand besoin de vos talents. C'est du parasitisme pur et simple. Ça veut dire quoi? On dit ça des fils de chiens qui se remplissent les poches au lieu de faire leur travail. Si tu savais tout ce qu'entendent les rats du chef. Dites-moi davantage au sujet de ce chef. Très bien. Puisse le père de la sagesse vous guider. Puisse le père de la sagesse nous guider. Qu'attendez-vous de moi, grand maître? Je mets tes services à la disposition de notre agent à la Convention. Le Pelletier? Non, le Pelletier présente son utilité, mais il n'est pas notre seul ami au gouvernement. Mon bon Latouche, je te présente Monsieur Maximilien de Robespierre. Monsieur, j'ai cru comprendre que Versailles grouillait de parasites. Germain se sont affrontés dans les mois qui ont suivi. Mais on ignore où et comment ça s'est terminé. On compte sur toi pour le découvrir. Ça y est, le portail est ouvert. Si tout va bien, ce sera ta dernière migration forcée. Et si ça se passe mal, tu te feras griller l'hippocampe et on te nourrira par perfusion jusqu'à la fin des jours. Essayons de ne pas y penser, ok?